Hit the beat and take it to the verse now. Que le soleil se couche, que la nuit se fait plus belle sur Cimiez. On débute ce nouveau numéro des Nuits Jazz par une voix magnifique, celle de Molly Johnson. C'est sa deuxième apparition à Cimiez. On est bien chanceux. Justement, Lucky, c'est le nom de son dernier album. Oh, it's so easy here with you. Like sun on my face, a bright summer day. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. Cet album, je l'ai enregistré en live en 4 jours, un one shot, on a juste fait une seule prise et c'est absolument merveilleux. We recorded Lucky. When you go, you're haunting, yeah, you're taunting me. Allez, on fait un bond dans le passé avec Raphaël, Sadiq, un look, une musique qui nous plonge dans le rhythm and blues des années 60-70, mais il y apporte aussi sa touche personnelle. C'est le old school musical que je joue, c'est le style de musique avec lequel j'ai grandi. Et c'est vrai qu'avec de la bonne musique, on fait vraiment le tour du monde, on voyage beaucoup. Et moi j'adore le gospel, j'aime beaucoup la soul music et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment cela que j'ai envie de faire partager aux autres et laisser ma trace dans ce style de musique. Et le jazz en 2009, petit aperçu avec les tout jeunes Jalamishto Quintet, ce sont les lauréats du tremplin jazz off cette année. On a les thèmes, on a les chorus, on a les grilles, on a les accords compliqués, tout ça. Mais à la fois, on a une ambiance plus justement moins compliquée, moins stressée du jazz quoi. Qui peut finalement, le jazz peut devenir un petit peu cérébral dans certaines années justement. Et là non. Et là non, pas du tout. Là on reste vraiment dans la tradition 45, 40. La nuit est tombée, direction maintenant le concert de Youssou N'Dour. Ça va chanter, ça va danser sous les oliviers. La nuit se termine, mais les nuits de jazz, elles, se poursuivent. Dernier numéro demain pour la clôture du festival.